Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de la Glossy Box du mois de novembre. Si vous cherchez encore un cadeau à faire pour une ado, une jeune, pour les fêtes de Noël, franchement, je vous conseille la Glossy Box. Alors après, je pense pas qu'ils fassent des box sur toute l'année. Il me semble que vous pouvez avoir pour 3 ou 6 mois, mais c'est, ou même pour vous. C'est une box, franchement, si vous la prenez pour vous, vous en serez jamais déçu. Pour une jeune, ça va être pareil, elle ne sera jamais déçue au niveau des produits que vous avez à l'intérieur. Moi, ça va faire, il me semble, bientôt 1 an que je suis abonnée à la Glossy Box. Et franchement, vraiment, mais vraiment pas déçue comparé à une autre box que je reçois, où c'est toujours un petit peu en dents de scie. Une fois, je vais être très satisfaite de la box et une autre fois moins. Tandis qu'avec la Glossy Box, franchement, jamais déçue. En plus, c'est une box petit prix puisqu'elle est à 12 ou 13 euros tous les mois. Donc franchement, c'est vraiment pas cher. Surtout quand on voit le contenant de la box. Et au niveau des formats des produits, c'est franchement plutôt pas mal puisque vous n'allez pas recevoir des toutes petites miniatures malgré le petit prix de la box. Donc voilà, alors on ouvre cette petite glossy. Et donc voilà, vous avez les produits à l'intérieur. Donc on commence avec donc ceci. Donc c'est un scrub pour le corps. Vous avez 100 ml à l'intérieur, à la cerise noire et à la vanille. Et franchement, mais il sent trop trop bon. Donc je vous en dirai des nouvelles dans mes produits terminés, si je l'ai bien aimé ou pas. Après les produits que vous recevez dans votre box, vous pouvez les retrouver sur Glossy Box. Et éventuellement, après, bien évidemment, les racheter si c'est des produits qui vous ont convenu. Donc voilà, donc premier produit, un petit scrub pour le corps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a eu de la marque. Alors, hop, est-ce que vous allez bien? C'est pas évident. Ouais, de la marque Joséphine. Donc on a eu un petit highlighter. Donc je trouve très très joli au niveau packaging et très chouette. Et donc, hop, voilà, un petit embout mousse comme ceci, plutôt pas mal. Et donc voilà, pour l'highlighter, parfait pour les fêtes qui vont arriver à grands pas ou pour le reste de l'année. Ensuite, donc hop, de la marque Rituals. Donc ça, c'est une marque en plus que j'adore, donc je suis très très contente de découvrir ce produit de leur marque. Donc c'est une brume pour l'intérieur, donc vous pouvez vaporiser sur vos rideaux, vos draps, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc celle-là, alors Cherry Blossom et Rice Milk, alors je sais pas trop, enfin bon. Bref, voilà. Mais je trouve que c'est un petit. Alors, c'est peut-être pas forcément un grand format, mais au moins c'est très très bien pour tester, pour voir déjà aussi si l'odeur nous plaît ou pas. Puisque si l'odeur nous plaît pas, c'est un petit peu bête d'avoir ça chez soi et de ne pas l'utiliser. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, très contente aussi. Ensuite, donc on a eu donc ceci. Donc, Like Seduction in Slow Motion. Donc de la marque Tease, je ne sais pas comment ça se dit. Et donc c'est un rouge à lèvres. Alors hop, donc il est comme ceci. Et franchement, comme vous allez voir, il est vraiment très très chouette. Vous voyez, il est tout torsadé. Alors hop, c'est pas forcément bien grand, mais c'est très très bien comme ça. Donc c'est un joli rouge. Et vous avez peut-être pas assez. Ah, voilà, là vous voyez. Donc voilà, le début et la fin de la marque du rouge à lèvres. Mais vraiment, je le trouve, mais vraiment très très joli. Donc parfait aussi. Et donc pour finir, donc on a eu donc ceci. Donc c'est une lingette démaquillante. Alors, donc c'est vraiment le grand grand format. Donc, elle est super douce, elle est comme ceci. Donc
vraiment très très douce. Alors vous pouvez l'utiliser sans forcément de démaquillant, ou alors pour voilà, juste à l'eau, vous démaquillez juste à l'eau si vous n'avez pas forcément envie de prendre de produits démaquillants ou votre produit démaquillant. Ça c'est bien, enfin vous faites comme vous voulez. Donc on nous dit que c'est cruelty free, que c'est 100% vegan, que apparemment c'est fait aux USA. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le premier démaquillant durable, puisque vous le passez à la machine et il a une durée de vie, comme vous allez voir, entre 3 et 5 ans. Donc franchement, c'est quand même plutôt bien rentable, puisque pendant au moins 3 ou 5 ans, vous aurez pas forcément, alors bien évidemment, si vous en avez d'autres. Donc voilà, si vous en avez d'autres, vous n'allez pas forcément racheter des cotons démaquillants ou quoi que ce soit régulièrement, ou même ne plus racheter de coton, puisque moi maintenant je n'utilise que des cotons lavables. Et ça fait un petit moment que je ne rachète plus du tout de coton. Et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'ai eu dans ma petite Glossy Box pour le mois de novembre. Franchement, comme je vous dis, moi j'en suis très très contente. Un petit highlighter, ça fait toujours plaisir. Le rouge à lèvres rouge, je trouve vraiment très très joli. Le petit produit Rituals, ben c'est clair que ça va être utilisé. En plus, c'est une marque que j'adore. Et le scrub Black Cherry Evani, ça c'est sûr aussi, puisqu'il sent vraiment très très bon. Donc, comme je vous ai dit, vraiment, c'est une box que, voilà, moi je suis très très contente de recevoir, surtout par rapport à son prix et par rapport aux produits qu'on reçoit. Vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous êtes abonné à cette Glossy Box, qu'est-ce que vous en pensez. Et voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à la liker. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.